125 jours plus tôt, Antoine Seigny était descendu sous terre pour être le sujet d'une expérience de survie souterraine. Après 4 mois passés au fond du gouffre, il vient de ressortir, record du monde de durée battue. Parqué, canalisé, les 2,5 millions de Parisiens qui sont revenus de vacances se sont trouvés pris dans un réseau de barrières. Paris est devenu une sorte d'immense chantier. Pétrole ? Non. Poursuite des travaux du métro express. En même temps qu'on élargit avenues et boulevards, on perfectionne la circulation souterraine. Le comité d'organisation de l'industrie cinématographique vous demande de ne pas fumer, afin de ne pas obscurcir l'atmosphère. Ne vous plaignez pas, la projection sera plus claire. Laissez votre chien à la maison, il y sera beaucoup mieux. Madame, rappelez-vous qu'il est interdit d'amener au cinéma des enfants de moins de 3 ans.